Chaque jour, 800 femmes et hommes s'engagent avec rigueur et passion à vous proposer le meilleur. Ils partagent la même vision, doter l'Algérie d'une capacité industrielle aux standards internationaux en puisant sa force dans le développement de la compétence locale, dans une démarche de diversification de l'économie nationale et une vision différente et nouvelle de l'investissement. Renault Algérie Productions a toujours cru en cette richesse humaine que possède notre pays en adoptant une politique de recrutement énergique. Elle en a fait le ciment pour bâtir un projet audacieux. Ainsi est née la première usine automobile en Algérie. Bienvenue au cœur du Made in Blédé. Bienvenue à l'usine Renault Algérie Productions. Alliant sécurité, ergonomie et qualité, l'usine Renault Algérie Productions est dotée de tous les outils technologiques et modernes qui lui garantissent un fonctionnement optimal 24 heures sur 24. L'expertise que confère le groupe Renault, conjuguée à la mobilisation des partenaires locaux, SNVI et FMI, procurent à l'usine de Wattrelette la capacité d'assurer un déploiement efficace et pérenne de la stratégie de développement économique et social de notre pays, avec comme ambition majeure de propulser l'Algérie comme acteur incontournable de l'industrie automobile dans le bassin méditerranéen. Fruit d'un partenariat entre Renault SAS, la SNVI et le FMI, l'usine Renault Algérie Production de Wattrelette d'Oran s'étend sur une superficie de 151 hectares, dont 20 réservés à la sous-traitance. Avant de voir le jour, et pour aboutir à un tel résultat, le projet a nécessité le professionnalisme et l'implication des différents opérateurs et partenaires. Décembre 2012, signature du pacte des actionnaires. Septembre 2013, démarrage des travaux à l'usine. Septembre 2014, obtention de l'accord de fabrication. Novembre 2014, inauguration et lancement de la symbole Made in Blédé. Parallèlement, des opérations de recrutement et de formation d'envergure sont entreprises avec la mobilisation de nos partenaires, CFPA, ANEM, autorité publique. Une première équipe, 250 personnes en 2014. Une deuxième équipe, soit 513 personnes en 2015. Aujourd'hui, l'usine compte plus de 800 employés et fonctionne en trois équipes. L'âge moyen est de 32 ans, dont 70% ont entre 20 et 35 ans. Près de 30% de l'effectif total est féminin. Qui sont ces femmes et hommes qui, avec leur savoir-faire, participent au succès du projet? Nabahat Saadi, DRH Renault Algérie Production depuis novembre 2013. La première opération de recrutement a commencé en septembre 2013. À décembre 2013, nous étions une trentaine de salariés et nous attendrons les 800 dans les prochains jours. Des formations spécifiques sont mises en place au niveau de Renault Algérie Production en fonction des besoins des lignes de métier. Ces formations sont élaborées avec la collaboration de l'école de fabrication France. Nous les dispensons au niveau de l'usine et nous mettons en place aussi des immersions au niveau des usines du groupe Renault. Pour l'intégration des nouveaux collaborateurs, une journée d'accueil est mise en place. Trois moments forts, la signature du contrat, l'explication du mode de fonctionnement de l'usine par les lignes de métier et le dojo sécurité pour se prémunir des accidents de travail. La politique des ressources humaines de Renault Algérie Production vise à accroître les compétences et la performance de ses employés. Un premier véhicule a connu le succès et un second est déjà lancé. Des voitures produites par des Algériens pour des Algériens. Drnaha Jazeera. Novembre 2014, la Renault symbole Made in Blédé est disponible pour les Algériens. En septembre 2016, 50 000 voitures sont déjà produites. Une organisation sans faille est nécessaire à la production du premier modèle algérien, avec comme mot d'ordre garantir la sécurité des équipes. Chaque employé est intégré dans un processus bien rodé, à base de planification, contrôle, réactivité et organisation. Soufiane Kahil, leader ingénierie montage. J'ai intégré RAP en novembre 2013 en qualité de pilote démarrage, version dérivée et train de modification. Les missions d'ingénierie de production en usine et d'industrialiser les modifications produits process en V-série, le démarrage du nouveau projet jusqu'au manufacturing approval et l'assistance technique usine.
Pour réussir chez Renault Algérie Production, en dehors des compétences techniques, il faut écouter pour comprendre, analyser, partager et beaucoup plus communiquer. La mission de l'ingénierie de production en usine est d'industrialiser les modifications produits et process, l'assistance technique usine et l'assistance au démarrage des projets jusqu'au manufacturing approval. Je m'appelle Imloul Sabren Sara, j'ai intégré Renault en janvier 2015. J'occupe le poste de pilote film qui est dans l'UT programmation. Donc je fais le planning de fabrication et cela en me basant sur la demande commerciale. Je transfère ce besoin-là à l'usine en Roumanie pour fabrication. Les qualités nécessaires, c'est vraiment être bien structuré, il faut être calme et il faut beaucoup de rigueur. Abdelhalim Roubaïn, adjoint au chef département montage. J'ai intégré l'usine Renault Algérie Production en novembre 2013. L'usine était encore en projet. Ma motivation de travailler chez Renault Algérie Production, qui est une entreprise algérienne, via le groupe Renault, par sa dimension à l'international, permet donc de côtoyer plusieurs cultures, plusieurs nationalités. Donc ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit, faire progresser ses compétences managériales, développer sa carrière, pourquoi pas, à l'international. Khali Kerima, j'ai intégré Renault Algérie Production en avril 2014 en tant que checkman dans le tronçon mécanique. Et aujourd'hui, j'ai évolué et je suis chef d'UET portière. J'aime travailler dans l'automobile car c'est nouveau en Algérie. C'est le domaine technique qui me plaît. J'aime la gestion de mon équipe qui prépare les portes qui seront montées sur les véhicules. Sofiane Ouldamer, j'ai intégré Renault Algérie Production le 23 juin 2015 en tant que chef d'unité maintenance. Je manage une équipe diversifiée de 9 personnes. Un automaticien, un technicien maintenance, un électromécanicien, un technicien fluide, un électricien, deux techniciens maintenant plan de surveillance, un soudeur et un magasinier. Pour réussir chez Renault Algérie Production, il faut être rigoureux et il faut être sérieux. Car dans le monde de l'automobile, c'est vraiment important. Mejber Yassine, j'ai intégré l'usine Renault Algérie Production en mars 2015 et je suis auditeur interne qualité. Ce qui m'a motivé à rejoindre Renault Algérie Production, c'est surtout le fait qu'elle soit pionnière dans l'industrie automobile au niveau du pays. Ajoute à cela les avantages qu'elle nous accorde, que ce soit la mutuelle santé, le transport ou bien les formations, et aussi le choix de carrière qui s'offre à nous dans le futur. Ma mission au sein de l'entreprise Renault Algérie Production, c'est la veille réglementaire et aussi l'application des standards à tous les niveaux de l'entreprise. Que ce soit la logistique, la fabrication ou la qualité. Chez Renault Algérie Production, différents types de contrôles de qualité sont réalisés sur le véhicule. Le contrôle visuel, le contrôle tactile et un contrôle avec les moyens, le bon para ou bien le tonchier TCA. Ajoute à cela à l'extérieur, nous avons une mini-piste où on réalise le contrôle dynamique. Sur le contrôle dynamique, on détecte tous les défauts qu'il y a sur le véhicule. L'objectif de tout cela, c'est de donner au client un véhicule sans défaut à tous les niveaux. Khadda Soumaya, chargée des moyens généraux. J'ai intégré Renault Algérie Production le 5 janvier 2014. Ça va faire bientôt 3 ans que je suis là. Avant de venir travailler ici à Renault Algérie Production, je travaillais dans une autre multinationale où j'exerçais les mêmes missions. Quand je suis venue ici, on était à peu près 30 salariés. Maintenant, on est 800. J'ai voulu vraiment vivre cette expérience. C'est la nouvelle expérience de l'industrie automobile. Au sein du département des moyens généraux, on gère plusieurs domaines. Parmi eux, on a les voyages professionnels, la gestion des EPI, la restauration, le transport et le bâtiment.
Gaza, نخدم SE8. دخلت رينو الجيري برودكسيون لو 9 سبتمبر 2014. طموح تاعي للمصنع هو ان شاء الله يكبر ونصدروا للخارج. او ميم طون انا طموح تاعي شخصيا هو كي يكبر الوزين نطلع معاه ان شاء الله لو ماكسيموم. La dynamique positive qui rythme les journées à l'usine depuis 2014 a porté ses fruits. Au niveau interne, avec une forte progression de la cadence de production de 7 à 10 véhicules heure, mais aussi à travers les différentes alliances et partenariats stratégiques qu'elle a réussi à bâtir et encourager. Dès le début, l'usine a fédéré autour d'elle des sociétés algériennes désireuses de participer à ce projet industriel. Par la suite, un tissu de sous-traitants a vu le jour pour répondre à la demande, ce qui a permis l'augmentation du taux d'intégration. Mohamed Gelata, Project Engineering Manager à Martur Algérie Automotive Seating System. Martur Algérie est une filiale du groupe Istanbul Holding, active dans l'industrie automobile. L'usine a été installée ici en Algérie en 2015 et on a commencé la livraison en juin 2016 à notre client Renault Algérie Production. On a commencé avec 90 collaborateurs et actuellement on est à plus de 200 collaborateurs dont les 10% sont des white collar, des managers juniors et seniors. Les prévisions de Martur Algérie sont, premièrement, assurer la continuité de l'amélioration du produit en termes de qualité, process et coût. Augmenter le ratio des fournisseurs locaux et le troisième point, améliorer les ressources humaines locales. La phase 2 est notre ambition pour le futur. Cette phase consiste à mettre en place une tôlerie et une peinture, ce qui équivaut à plus d'intégration et plus de salariés au niveau de notre usine. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes sont décidés à faire progresser chaque jour ce nouveau fleuron de l'industrie automobile algérienne. Les résultats réalisés sont satisfaisants et les prévisions sont enthousiasmantes. L'arrivée des prochains véhicules ne peut que les rassurer sur la promesse qui s'attelle à tenir, faire du Made in Blady un gage de qualité. Ma plus grande fierté, c'est la bonne relation nouée avec mes collaborateurs, la chance qu'elle a donnée aux jeunes à tous les niveaux et surtout l'énorme expérience acquise en seulement 2 ans. Ma plus grande fierté, je dirais que j'ai été recrutée tout de suite après avoir fini mes études. Donc j'ai bénéficié de la confiance de mes managers et ça ne peut que me rendre vraiment très fière. Sachant que c'est la première expérience algérienne et j'en fais partie. Ma grande fierté, c'est faire partie des pionniers de Renault Algérie Production. J'ai vu l'usine grandir et c'est un fruit d'un travail collectif de tous les salariés Renault. Ma grande fierté est de participer efficacement au développement de cette industrie ici en Algérie.